Un peu plus de douceur aujourd'hui après les soldats, les adeptes. Les adeptes que j'utilise pas des masses en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y en aura pas des pas beaucoup, juste deux. On va commencer par la petite Asari. Alors, présentation de ses petites fesses bleues. Hop hop hop. Au niveau de son arbre de compétences, je l'ai essentiellement optimisé, comme beaucoup d'ailleurs, pour les explosions biotiques. La stase 1, 2, 3, allons au bois. Un peu plus pour la durée et la vitesse de rechargement accrue, ça c'est pour pouvoir ensuite enchaîner très vite, enfin un peu plus vite avec la projection de manière à déclencher une explosion biotique. Donc on stase, on bourrine un peu au pistolet, projection, c'est terminé. Ça c'est bien pour tout ce qui est personnage, j'utilise que pour les chasseurs guettes, les fantômes de Cerberus, tous ces persos super chiants qui sont pas blindés, étant donné que la stase ne fonctionne pas sur les blindés. Yop, voilà, ensuite la déchirure. 1, 2, 3, tac, pour les explosions biotiques. Donc ça, je m'en sers en fait de, je sais plus si c'est 8, de charge et la projection comme détonateur. Hein. Donc ça au moins, ça reste un certain temps, 10 secondes, ça laisse le temps ensuite de balancer une projection qui évidemment est optimisée pour les groupes d'ennemis faibles, comme les groupes de zombies, surtout les zombies des récolteurs qui sont super pénibles. Et enfin, optimisation pour l'explosion biotique. Après le reste, j'ai trouvé ça pas très intéressant, donc j'ai préféré garder tout ça pour l'optimisation justement des pouvoirs. 1, 2, 3, optimisation des pouvoirs, sans surprise, pareil. Et ensuite, on allège de manière à pouvoir en fait avoir un bonus de rechargement des pouvoirs au minimum de 200%. Donc vraiment, tout est optimisé autour de ces trois pouvoirs pour les explosions biotiques. Et ensuite, étant donné qu'elles sont pas super solides, tout dans les boucliers. Il faut dire aussi que les attaques lourdes des Asari, mais alors elles sont nulles à chier et carrément dangereuses. Voilà. Tac. Au niveau des armes, ben, sans surprise, hein, un pistolet évidemment vu qu'elle est optimisée pour. Et une petite mitraillette manière au cas où si on n'a pas de... Si on n'a plus de bastos en fait. Hein, donc en l'allégeant au maximum avec le perce-blindage ou on tombe sur un trou du cul avec un bouclier par exemple qui peuvent être super pénibles. Ensuite, tac, paramètres d'émission, hop hop hop, et c'est parti. On va tester le bébé. Je ferai pas la toute la vague, hein, parce que sinon ça va être un peu chiant, on passe son temps à spammer de la projection contre les moissonneurs, étant donné qu'ils balancent du zombie à la pelle. Donc on fera quelques explosions biotiques, manière de voir, et après, basta! Voilà. Ok. Allez. Ouais, faut pas en abuser du bordel, hein, parce que vous voyez, hop là, ça fait diminuer les barrières. Et c'est pas cool. Des cannibales. Et bim. Moi j'aime quand ça biotique. Et bim. Hop là. Et hop là. L'intérêt des groupirs. Bon, il y a les crétins qui sont derrière. Voilà. On bouge ça. Hop là. Des explosions biotiques bien senties, bien placées. Hop là. Ça. Et hop on revient et bim. Hop là, y'a rien qui arrive par derrière. Hein. Quoique pour le tennis zombie en fait c'est pas mal ça. Non. N'est-il pas. Quelques Asari. Oh le pique-nique. Et voilà, le pique-nique devient un drame. Il arrive derrière, non c'est bon. Ah, je suis touché. Ouais, alors lui je sais pas comment il est arrivé là. Je suis presque à sec. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah voilà. Bon, ah. Hop, changement d'arme, je n'ai plus de bastos.
Ouais. C'est vraiment pour le fun. Ben voilà. On enchaîne. Explosion boutique. Tiens, mange là. Tac, tac, hop là, hop là, hop là. Et boum! Voilà, on passe son temps à ça avec elle. Oh, c'est funky, hein, ça bouge bien. Sur... Mais les cibles blindées aussi, hein, ramassant avec elle. Hein. Ça fait des explosions bureautiques. On va pas rester là parce que je vais me faire plomber par les Marauder Shield. Voilà. Et boum. J'aurais pu l'achever avec le flingue, mais c'était juste manière. Bon. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup, qui est funky, toujours aussi joli, les Asari de mon pays. Voilà. Elle est pas mimi, amusez-vous bien avec elle.